Bienvenue pour le voyage développer ses facultés extrasensorielles avec les esprits de la nature. Tu peux retrouver cette méditation et d'autres astuces dans le grand grimoire des fées et des lutins, le manuel pratique pour révéler vos pouvoirs intérieurs. Installez-vous dans un endroit confortable et au calme, puis prenez une grande et profonde inspiration et expiration. À votre rythme, fermez les yeux. Visualisez ou encore imaginez un escalier qui mène à votre porte magique. Les marches de l'escalier sont montantes. Prenez quelques instants pour ressentir la détente, la connexion et la magie que le lieu dégage. Émettez ensuite cette intention. Je souhaite développer mes capacités. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Aidez-vous de la respiration et montez les marches de l'escalier. Vous avancez un peu plus vers cette porte qui se trouve en haut de l'escalier et lorsque vous vous trouvez en face de ce passage, insérez dans la serrure la clé que vous trouverez à quelques mètres de là. Si vous avez besoin de demander aux esprits de la nature de voir apparaître cette clé, eh bien allez-y. Posez cette intention. Ouvrez cette porte. Vous êtes à présent dans votre lieu magique. Un coffre est placé devant vous. Une lumière violette scintillante s'en dégage. Approchez-vous du coffre. Peut-être avez-vous besoin de partir à sa rencontre, d'explorer le lieu pour trouver ce coffre magique à la lumière violette. Prenez le temps nécessaire pour le trouver. Approchez-vous de cet objet et ouvrez-le.
ressentez tout ce qui est à ressentir face à cet objet magique. L'incroyable lumière vous enveloppe de violet et la fée des sorts vous accompagne et apparaît dans cette relaxation. Donnez la main à cette fée pendant que cette lumière vous entoure. Prenez de profondes et grandes inspirations et expiration. Laissez-vous envelopper par toute la magie de ce coffre et de la fée. Maintenant que vous avez reçu suffisamment d'énergie et que vous avez été rechargé par les énergies de cette fée, refermez le coffre au pouvoir magique et exprimez toute votre gratitude à cet esprit de la nature. Faites ensuite demi-tour pour vous retrouver face à l'escalier et refermez la porte de votre lieu magique. Descendez les marches à votre rythme, en vous aidant de la respiration. Et lorsque vos pieds arrivent sur le palier, vous pouvez, pour cristalliser ce merveilleux moment, ouvrir les yeux en bougeant vos pieds, les bras, les mains. Ouvrez les yeux pour cristalliser ce merveilleux moment, car vous êtes à l'endroit où vous avez commencé ce voyage méditatif. Cette relaxation est maintenant terminé. Vous avez reçu toute la magie pour vous connecter et approfondir vos capacités intérieures. Ça peut être l'intuition, la connexion avec vos guides ou encore vos capacités de magnétisme. Vous pouvez refaire ce voyage lorsque vous le souhaitez et découvrir d'autres voyages initiatiques et d'autres clés précieuses dans le grand grimoire des fées et des lutins, le manuel pratique pour révéler vos pouvoirs intérieurs. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo comment s'est passé
ce voyage avec la fée Violette. Vous pouvez me mettre des petits pouces bleus et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne YouTube car il y aura d'autres voyages. Je vous souhaite de très belles énergies et je vous dis à bientôt.